Voici tout d'abord quelques scènes de la première partie du procès de Jock. Laisse-moi me charger de ça. Pas de problème, je trouverai. Je serais peut-être obligé de l'envoyer. Gravé là, est-ce que le labo a réussi à le lire ? Oui, il est écrit à HM de la part de RB. Parlez-moi de lui. Il a travaillé comme contremaître à South Fork pendant près de 2 ans. Il s'est jamais disputé avec Jacques. Quel est le problème? Il a fini par découvrir un vieux 38 à 20-25 mètres de l'endroit. Il est à la première heure où il le descendrait. Nous savons parfait. Les premières équipes de secours arrivées sur les lieux n'ont pu que se rendre à l'évidence, l'héritier du... Johnson McKinney, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourriez dire... Que la mort. Vous n'avez pris qu'un demi-verre. Oh, ce n'est pas le vin. Eh bien, j'ai l'impression de trahir Jock.
Je comprends pas bien ce que vous voulez me dire. Vous m'avez donné l'illusion que je pouvais être une femme désirée de... Allô? Je passe te prendre et on file au tribunal. Smithfield est déjà sur place. Mais pourquoi on l'a arrêté? À 20 ou 25 ans. Le corps décomposé de la victime qui travaillait comme contremaître au... ...déteste notre famille depuis qu'il s'est marché. Oui, autrement dit, c'est une grande étape. Oh, nous considérons ces... J'ai une bonne nouvelle. J'ai fait arrêter Jock. Excuse-moi, papa, je préfère rentrer. Il faut qu'il ait convaincu quelqu'un de haut placé. On ne saura rien de précis avant l'arrivée de Scotty. Ah oui? En tout cas, vous pouvez être fier de votre petit frère. Ferme la gière. Oh, Bobby.
Santos. Un whisky nature. Mais voyons, asseyez-vous. Merci. Mais je vous en prie, pas de civilité entre nous. Et dans ce groupe, il y en a une, et seulement une, qui n'a pas pu tuer Hutch McKinney. Pourquoi vous nous racontez ça? Parce que ce sera notre système de défense. Cela diminue les chances. C'est si grave? Malheureusement. Mais je perds rarement. Ah. Je monte dans la chambre. D'accord. Bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'elle faisait à Fort Worth? Qu'une idée. Tu viens avec moi. Témoin de votre bagarre avec Hutch McKinney et je voudrais entendre votre version. Il est possible aussi qu'il ait trafiqué des factures, mais j'ai pas pris le temps de vérifier. Il avait passé la... Je ne pouvais pas attendre son retour à la maison. Alors je suis allé en ville en voiture. Laisse la bouteille. Ah, fait une chaleur. Pourquoi? Parce que tu es un voleur. Ça m'étonnerait. N'allez donc pas me demander si...
petite réunion. Qu'est-ce qui se passe? Tu as capitulé devant Matt Devlin? J'ai plus de temps qu'il ne fallait avec lui, c'est tout. Et tu ne m'as jamais rien dit. Après l'opération de mon sein, je me suis sentie très vulnérable. Moi. Ah, parce que j'ai inventé que Bobby est venu avec moi te chercher au poste de police de Fort Worth. Choc. Il n'a aucun problème. Ton père est... Un peu du côté de Cliff Barnes? Sue Ellen, après 9 ans de mariage, tu n'as toujours pas compris. Tous les matins, presque à l'aube, pour venir près de lui. Oh, je suis pas fatiguée. Je ne veux surtout... Papa, en te ruinant la santé, ma chérie, je te ramène chez nous. Tout de suite. Essayez, je vous assure, c'est important. Alors j'envoie des lettres à tous ces jurés pour les avertir qu'ils ne doivent répondre à aucun enquêteur. Bien joué.
posséder devant eux. Non. Sloane, vous savez très bien qu'on n'en serait pas là sans... Barnes s'est réussi à obtenir une inculpation par le grand jury pour une histoire qui remonte à... J'ai été élu. Je n'ai pas l'intention de passer 10 ans dans une cellule. Scotty, vous pourriez nous... Vous pouviez vous rappeler ce que vous aviez fait du 38. Comment a-t-il disparu? Je me rappelle que... trouver au moins un témoin, ou peut-être même plus, de votre bagarre avec McKinney. Je vais mériter ce que vous me paierez. Demain matin. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ruby Digger s'est réveillé. Cliff. Écoutez, laissez-moi passer, je viens voir mon père. Non, voulez-vous sortir d'ici, Bobby? Vous voyez bien qu'il est malade. Oh, comme si ça vous intéressait. Vous passez votre temps... Rendez-moi, Digger. C'est bien ça que vous voulez? Que mon père aille en prison, que ma mère se retrouve toute seule, c'est... Jamais voulu de mal à Ellie. Oh, Barnes a très bien joué le coup, on a été assez coincé. On verra. Fenton Washburn, shérif du comté de Braddock.
retirer. J'ai peur de dire quelque chose qui aggravera son cas. Tu dis la vérité et c'est tout. Qu'a mené le professeur ? Objection, votre honneur. Apportez cette monstruosité dans ce tribunal. Votre honneur, c'est indécent. On n'apporte pas un cadavre dans un tribunal. Retour, vous enlèverez cet objet. Mon père a déjà suffisamment de problèmes sans que tu t'écroules en empestant comme une distillerie. Ouais. Est-ce que Jock Ewing... Manifestement, à la recherche d'indices pour établir un dossier d'accusation. Tante Maggie. Il est sûr de rien. Je sais que ce n'est pas réconfortant, mais...
cache comme ça, Meg. Ils vont pas tarder à me chasser. Monsieur Ewing, ce n'est pas Jock Ewing qui est cité pour répondre aux questions. Monsieur Ewing, c'est un Colt à 6 coups de 1892. Continuez. Vous étiez là ce jour-là? Effectivement. Et je suppose que qu'il passait son temps à la nettoyer et particulière pour lui avait disparu. Il n'en a jamais soufflé mot à personne. J'avoue avoir beaucoup de mal à... Excusez-moi, monsieur Ewing. Monsieur Tuttle, dites-moi ce qui s'est passé cette nuit-là dans le dortoir de ce soir. Tout le monde. Mais il est tombé sur le lit. Et une minute après, il gonflait. Et comme... Il a sorti Hutz de son lit. Et il a dit ce qui se passe. Non, je me suis dit qu'il fallait plutôt être prudent.
Étant donné l'heure, le jury ne pourra pas... Je viens tout de suite. Inutile de t'énerver. Remets ça. Oh, ça n'a plus d'importance. Illégal. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Aimer toujours. J'avais un coup dans le nez. On avait fêté une finale. Et McKinney, qu'est-ce qu'il fait là? Ça veut dire que... Ensuite, j'ai emmené Ricky et Cliff.
Ellie, il faut... Toujours aimé, Pam. Elle a tout de même terriblement souffert. La perte de son père et... Autrement dit, ne la faites pas soigner tout de suite. Voyez comme elle réagit. J'ai perdu, c'est pour ça que j'ai jamais rien dit. Jacques. Digger. Libre. Quelle douloureuse perte pour Pam. Avant qu'on soit séparés, Digger et moi, on a passé de bons moments tous les deux. Berger, et je suis sa brebis. Il m'a permis de me reposer dans